Salut à tous les gars, c'est Rien, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Elden Ring où je vous montre un petit combat de boss qui va nous permettre d'obtenir un talisman assez sympa. Je vous montre le petit combat contre le duo des adeptes de la putréfaction. Je n'avais pas enregistré ce combat dans mon premier run, donc ici on est en New Game Plus, donc forcément je les zigouille, je les marave. Mais faites attention, vous vous rendez compte qu'ils font quand même très très mal au niveau de ma vie, vu qu'ils font des attaques à distance et des attaques au corps à corps assez chiantes. Et des fois assez compliqué à éviter, donc je vous conseille de vous munir peut-être d'invocation si c'est votre premier run pour les distraire un petit peu, ou alors d'utiliser la technique de la cendre de guerre du pas du chevalier limier pour éviter facilement les attaques. Ce combat maintenant passé, puisque vous voyez qu'il n'est pas trop compliqué en New Game Plus, surtout quand on est équipé l'Ushigatana, va nous permettre de débloquer ce talisman bien précis qui peut être très sympa et je vous montre pourquoi. Je vais vous montrer un petit peu sa description. En fait, c'est un talisman qui va augmenter vos attaques quand il y a la présence de putréfaction ou d'empoisonnement. Pourquoi c'est intéressant? Donc, vous voyez, c'est celui-ci. Augmente la puissance d'attaque en cas d'empoisonnement ou de putréfaction écarlate à proximité. Tout simplement, ça peut être utile contre les boss qui vous infligent la putréfaction. Les zones où il y a du poison, et du coup quand vous vous faites attaquer, parce que vous allez pouvoir taper en continu, faire très très mal, et plus vous prendrez de dégâts de la putréfaction ou de l'empoisonnement, plus vos attaques feront très mal. Je pense bien évidemment ici à Malenia et sa zone où il y a énormément de putréfaction, donc ça peut vous être utile. Si vous avez des mobs qui vont fou un peu chier, vous mettez ce talisman en supplément, et si vous devez les combattre parce que vous n'arrivez pas à prendre la fuite, vous ferez suffisamment de dégâts pour vous en sortir. En tout cas voilà, j'espère que cette petite astuce, ce petit talisman vous plaira et vous aidera pour ceux qui en ont besoin. Et puis moi je vous laisse là, c'était Reigns, plein de gros bisous, allez, ciao ciao!